diable au coup d'envoi de cette rencontre. Une victoire ou au pire un nul lui ouvrirait les portes de la phase à élimination directe. Bienvenue donc pour cette rencontre qui est décisive. L'ambiance est au beau fixe, à tel point que les supporters parlent même déjà de la suite. Quelle équipe il vaut mieux éviter au prochain tour? Quel adversaire serait plus prenable? Attention quand même à ne pas aller trop vite en besogne, messieurs. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. Allez, on écoute l'hymne national de l'Allemagne. C'était impressionnant, mais ce qui va suivre va l'être tout autant. Cette phase de groupe aura finalement été très bien négociée. C'est vrai. Alors oui, il ne faut pas vendre la peau de l'ours, tout ça. Mais vu le parcours qu'il a réalisé jusqu'ici, je vois mal cette équipe laisser passer sa chance aujourd'hui. Il suffit de faire un match sérieux et l'affaire sera dans la pocket. Voilà, on y est. Début de la rencontre. Granqvist. Sébastien Larsson. La Suède qui peut avancer. Allez. La touche à venir. Sur la gauche. C'est joué long. Ça ne passe pas. Toni Kroos. Sur l'aile gauche et il a du soutien. La passe est précise. Un long ballon vers l'avant. Il cherche la profondeur. On peut frapper là. Oh, ça va. Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. C'est clair qu'il n'y a pas fallu longtemps pour démontrer tout son talent, encore une fois. Oh, il était bien placé ce ballon, tout simplement imparable. C'est clair, c'était carrément hors de portée pour le portier. Voilà le match définitivement lancé. Il y a une équipe qui en veut nettement plus que l'autre. Et ça fait toute la différence. Il peut frapper. Oh, c'est dommage. Quelle occasion. La défense a encore été prise sur cette passe. Il faut qu'il se réveille là. Oh, la frappe! Oh, quelle frappe! Quel but! Bravo!
Et ça repart du rond central, égalité parfaite. Ah, c'est une équipe de caractère, ça se voit. Ils n'ont pas baissé les bras après avoir encaissé le but. Ils ont égalisé dans la foulée. Chapeau. Il allonge le jeu. Il est passé. Toni Kroos. On le tire. Et l'arrêt, magnifique. Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Werner. Le ballon piqué sur le côté. Et ce ballon devant le but. Bien, un peu de répit. La bonne interception. Grosse frappe. Ça défend comme ça peut. Kimmich qui veut se projeter. C'est un bon mouvement. La frappe à côté. On a vu avec quelle vitesse ils sont capables de remonter le terrain. Ils excellent dans l'art de contre. Très bon mouvement. L'Allemagne qui fait dézonner ses attaquants axiaux. Oui, mais c'est un peu bizarre quand même. Ah bon? Pourquoi? Comment ça? Le problème, c'est que c'est l'attaquant central qui doit être dangereux dans la surface. Il faudrait peut-être mieux laisser les ailes aux ailiers. Sinon, qui va reprendre ses centres? Ça va sur l'aile. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Et corner, donc. Toni Kroos. Et il cède sous la pression. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. C'est osé. C'est bien fait, ça. Il y a dit, c'est une occasion, ça. Voilà la situation complètement inversée. Le gardien ne pouvait rien faire. Ça frappe le poteau, mais il s'en fiche. Le principal, c'est que ça soit rentré. Les voilà avec un petit but d'avance. Ce n'est jamais facile de résister à une équipe qui joue son va-tout. Et pourtant, ils vont devoir tenir. Kimmich. Seule une défaite, on le sait, peut les éliminer. C'est joué dans la profondeur. Ça peut être extrêmement dangereux. Le bon dribble. Il prend sa chance. Le gros dégagement. Il y a mis du cœur, mais il est loin quand même. Et marqué à cette distance, ça restera. Toni Kroos. Il s'impose physiquement dans ce duel. Berg. Attention là. Maintenant, le centre. C'est repoussé. Il décide d'allonger le jeu. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Sébastien Larsson qui écarte le jeu. Ça, c'est directement pour le gardien. Goretzka. Toni Kroos. On ne s'est pas ennuyé. On a vu des buts et tout reste à jouer en seconde période.
Et quel retournement de situation on vient de vivre. C'était fabuleux. La première période est terminée. Qu'en retiendrez-vous? Mais laissez-moi reprendre mon souffle d'abord. Quel match! On a des buts, un scénario un peu fou, un retournement de situation. J'ai hâte de voir ce que la deuxième mi-temps nous réserve. Trois buts en première période, mais ils sont menés 2-1. Le temps de finir votre analyse, le jeu a déjà repris. Werner, il y a peut-être un coup à jouer. Ça peut être dangereux. Il est en bonne position pour centrer. Ça, c'est un bon ballon dans la surface. La tentative. Et ça ne passe toujours pas. Il domine carrément en ce moment. Il s'est passé tout près, deux, trois fois. À force de tenter, ça va finir par entrer. Le corner est joué court. Corner, le centre. Il tente de se dégager. Goretzka, le ballon dans la profondeur. Il est bien placé. Il tire. But ! Égalisation pour l'Allemagne. Face au but démarqué, ça ne pouvait pas se terminer autrement. La défense était un peu à la rue à mon avis, mais la passe était bonne. Il a eu tout le temps d'ajuster sa frappe. Et voilà qu'ils ont de nouveau égalisé. La réponse du berger à la bergère, comme vous dites. Vont-ils forcer la décision ou se contenter de ce score? Granqvist. Lustig. Oh, le bon ballon. Dans sa chance. C'était presque au fond. Et bien, dis donc, c'était chaud. Goretzka, c'est joué long, bien servi. C'est joué long, attention. On joue sur l'aile, il est servi. Oh, il est danger. Il est sur le côté, il peut tenter un centre. Oh, le contre, l'arme fatale. Dans la profondeur. Ta. Bien, la profondeur. Le jeu repart vers la droite. Il continue. Ça joue long vers l'avant. Et le contre est parti. L'occasion peut-être d'aller chercher la gagne. C'est joué dans l'espace. Ah, il avait laissé l'avantage, mais il lui met un carton quand même pour la faute précédente. La Suède qui effectue un changement. Ibrahimovic qui va sans doute se placer en attaque.
Ça fait du bien à son équipe. C'est dégagé. Ce n'est plus le même match depuis l'égalisation. Mais il reste encore un peu de temps pour faire la décision. Müller. Long ballon dans le sens du jeu. Va-t-il en profiter ? Il est passé. Il progresse encore. La frappe, attention ! Oh, c'est chaud. Il ne se pose pas de questions. Ekdal. Oui, petite faute là. Il aurait pu être sanctionné, mais finalement c'est simplement un rappel à l'ordre verbal de l'arbitre. Et c'était bien parti, mais c'est pas allé au bout. Ginter. Il allonge vers l'avant. Kimmich. Toni Kroos. C'est bien donné. Le bon dribble. Werner. Comment a-t-il pu manquer ça? C'est l'occasion de procéder à un changement. Et c'est pas surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va le faire du bien. Müller qui rejoue derrière. C'est plutôt intelligent. Il y a danger. Frappe. But pour l'Allemagne. Quel comeback. C'est très très bien joué là, il savait exactement où se placer pour attirer ce ballon. Les voici avec un but d'avance. Voilà une nouvelle preuve de leur caractère. Avec une telle confiance, on soulève des montagnes. C'est bien fait ça. Hector. Il se dirige tout droit vers cette courte victoire. Tenir, tenir encore quelques instants et ils seront en phase à élimination directe. Il va falloir trouver des solutions maintenant. Ils n'ont plus le choix là, il faut y aller franchement. Le ballon dans la profondeur. C'était l'occasion de se mettre à l'abri. Dommage. Il tente de la jouer dans l'espace. Allez, allez, un petit peu d'énergie. Le match est bientôt fini. Ils doivent jouer plus vite, vers l'avant. C'est l'une de leurs dernières possibilités. Allez, c'est maintenant. On est dans le temps additionnel. Quelle passe. Il a un peu de liberté. Dans la profondeur. C'est bien donné. Il va se planter seul. Grande aspiration. Ça fait but. Le break est fait. Deux buts d'écart désormais.
décisif à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Elles ont certainement assuré la victoire avec ce but. L'arbitre siffle, le match est terminé. C'est une défaite assez incompréhensible, ils menaient au score, peut-être ont-ils tout simplement craqué physiquement. Alors, que retenir de cette rencontre? Ils se sont jamais vraiment remis de ce but concédé en début de partie. C'est dommage, il y avait sans doute mieux à faire aujourd'hui. Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci Darren de nous avoir livré vos analyses tout au long de cette rencontre. À très bientôt, salut. Merci Grégoire, on remet ça quand vous voulez.